Fou d'amour, chérie, fou d'amour. Ah, monsieur, calme-toi comme moi, avec fou d'amour, là. Ça va me vaut 100 piastres. Merci, belle monsieur. Maintenant, nous demeurons dans la même place, là, encore. Avantage pour ma chaîne, désavantage pour mes femmes. Madame, ça va chercher dans les combien? 200 dollars US, c'est pas trop cher, hein? 200 dollars US? C'est une petite fortune, madame. Excusez-moi, mon ange. Quelle beauté, Seigneur! Si sa mère n'était pas là, monsieur. Quelle beauté, Seigneur! Elle est belle, jeune et propriétaire. Dis-moi, beauté, tu n'as pas de mari? 50 dollars
US. Quoi? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici venir la vedette de la soirée, Madame Cupidon. Elle fête aujourd'hui ses 83 ans. Applaudissez, s'il vous plaît. À monter sur scène. Applaudissez. Des fleurs, où bonheur, joie se trouve dans tous les cœurs. Les astres du firmament s'unissent pour te dire bonne fête, maman. Comment oublier ces nuits de douleur? Ah, bercer un enfant toujours en pleurs. La terre, étoile et diamant. Belle parole ou plus.
café. Mais y'a un monde qui connaît que c'est sincérité qui a la liberté. Donc oui, bon ami, vous m'aidez la vie. Cette rencontre a émergé plein de souvenirs. Les randonnées à la plage avec nos parents, les contes que nous racontait grand-mère. Et plus près de nous encore, cette chanson que je te chantais pour te bercer au cœur de la nuit. Et ton père qui bavait de colère m'écoute à chanter. C'est vrai, j'ai oublié la chanson. Tu veux me la chanter? Mais wow, procéder. Sont différents, oh, oh. Même s'ils sont au même temps, je les vu et les contempler sans avoir droit de la toucher. Je les vu et les contempler sans avoir droit de la toucher. C'est le refrain. Mais Belle, parle-moi de toi. Revoici mon chéri. Tu as brillé à la fête par ton absence. Beaucoup d'invités se paradaient au salon. Quant à moi, tout le monde me mangeait les yeux. Comment? Tu ne réponds pas? Il faut convenir que tu étais au courant de notre sortie. Je t'en supplie. Fais-moi une bise. J'en ai marre! J'en ai marre! Je n'ai jamais souvenir d'avoir eu un jour de bonheur avec toi. Tu es un tison! Je te hais! Excuse-moi de ce retard, papa. J'ai été retenu pour... par Annie. Qu'en est-il, papa? Qui a-t-il, mamie? J'ai été moi aussi en proie à ces mêmes désappointements. De la fête, mamie. Qu'en dis-tu? Extraordinaire. Je profite de cette occasion pour te féliciter. Car malgré ton âge, tu as été le point de mire de tous. Tu me connais, ma chère. Qu'est-ce qu'elle te chuchotait à l'oreille, mamie? Qui? Petite cachotière. Le jeune homme. Il me courtisait. Quoi? Qu'est-ce que tu as le tout pas de dire? Je t'en supplie, papy. Agis avec plus de douceur. Ferme ta gueule, vermine. Ferme ta gueule. Que t'a-t-il dit, le jeune homme? Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que je dois faire fi de tout ce qui me complique la vie. Et de ne me jamais laisser vilipender par des hommes de mauvais aloi. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a rendu si vite l'audition? Je te croyais sourd tout à l'heure. Je suis libre de perdre l'audition à n'importe quel moment. Et c'est aussi mon droit. C'est mon droit de la retrouver quand des vipères pensent pouvoir blesser un homme prestigieux. Oh ciel! Pourquoi les tonneaux vides font-ils toujours du bruit? Dieu seul sait pourquoi tu as une dent surnuméraire. Cette impertinence, tu ne l'as pas achetée, tu l'as héritée de tes parents. Tu es le prototype de la loquacité féminine. J'en ai plein le dos. Si je suis Péronelle, toi, tu es savant. Quelle gloire, mon Dieu, de m'avoir donné pour mari, un savant qui ne m'invente que des mensonges. Merci, mon Dieu, pour ce choix. Magnifiquement mauvais. Écoute-moi bien. Il y a une chose dans la vie pour laquelle j'exige de tout le monde le plus grand respect. C'est ma personnalité. Tu viens de la blesser et dans ce cas, aucune force ne peut m'empêcher de te mettre à la porte. Pas possible! J'ai pas besoin d'âme contendante. Tranchante. Ou d'âme en feu. Pour vous envoyer dans les bras de mon frère. Car, avec cette âme, je peux vous écrabouiller, déchiqueter en une seconde. Quelque
tour de rêve de ma pareilleur. Comment c'est-vous? Plus de capote. Les capotes sont terminées. Oh non, Max. Pour le capote, point de l'eau. Pas de l'amour. Pas de... Vous avez la chance. Car ce capote... No way! Que faites-vous là, mesdames? Je peux vous déposer? Comment se fait-il que vous soyez là à cette heure? Vous n'avez pas peur du diable? Le diable, c'est vous? Non. Je suis Steven, de notre famille, c'est Blue. Et vous? Betsabi, ma fille, c'est Mabel. Compliment, madame. Votre arbre donne de jolies fruits. Je vais vous déposer. Merci, monsieur. Y a personne? Il n'y a personne. Monsieur joue à Léoni. Je me génie de longue main à trouver la maison de Monsieur Paul Chico. Auriez-vous l'obligeance de me la montrer? Vous cherchez la maison de Paul Chico? Paul Chico. Ah bon, Paul Chico? Allez tout droit. Et après 100 mètres de marche, vous tournerez à droite et à gauche, puis à gauche et à droite. La maison de Paul Chico sera sur la droite. Merci infiniment, monsieur. Bonjour, monsieur. Puis-je voir mes belles? Qui êtes-vous? Daryl, le fils de monsieur Daryl Legrand. Daryl Legrand. Me vois. Quelle est votre profession? Aucune, pour le moment, monsieur. Pour le moment. Foutez-vous dehors.
son jour a été stupide. À 50 mètres, j'étais déjà en pleine mer. Et alors? Vous m'aviez dit 100 mètres. Nom de chien! Vous me rendez la vie impossible. Que voulez-vous que je fasse? Pourquoi cherchez-vous votre Paul Chico ici, de ma maison? Cherchez-le ailleurs. Que veut dire à madame Paul Chico qui m'attend avec impatience? Ma femme? Cher monsieur! Ne partez pas si vite. Asseyez-vous au moins. Asseyez-vous. Vous auriez dû le faire sans même demander. Allô? Je ne fais que penser à elle, Chico. Chaque pas de ses pas est un pas de mes pas. C'est comme un trésor perdu que j'ai retrouvé. Mais le grand problème, c'est son père. Eh bien, Paul Chico, c'est moi. Quoi? Vous êtes réellement Paul Chico? Pourquoi m'aviez-vous menti? Parce que vous n'aviez pas précisé l'objet de votre présence. Où sont ma femme et ma fille? Vous devez me démontrer par des preuves patentes que vous êtes réellement Paul Chico. Mais pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Parce que la dernière fois, vous m'aviez donné la bonne adresse. Bon. Tenez. La nouvelle? Elle vous fait dire de lui envoyer la...